Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, les vraies voix de l'été en permanence à vos côtés pour décrypter et se détendre. Nous avons renforcé les équipes pour que notre devise rayonne telle la flamme olympique. Sérieux et souriant, c'est ça la devise. Bien sûr, vous réagissez à propos de l'actualité sur Sud Radio, c'est le principe des vraies voix, que vous êtes invité à défier au 0826 300 300. Vous appelez, vous dites je ne suis pas d'accord avec un tel, je pense ça, je veux dire ça, 0826 300 300, ici c'est du parlons vrai. Les vraies voix ce soir, alors c'est la semaine, on a toujours, enfin hier, il y a eu un petit retard, et bien ce soir aussi. Alors j'ai déjà les deux premières vraies voix que je vais vous présenter. Elle est une habituée, Catherine Œuvrard, présidente fondatrice de CE Consultant, cabinet de chasse, de tête, je sais pas comment il m'a écrit mes fiches, ouais, en tout cas. De dirigeant, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Alors en revanche, présidente fondatrice. Hein. Oui, ouais, bah oui, j'ai créé ma société il y a de nombreuses années, bah, je ne vais pas dire quand, sinon on voit mon âge. Oh non. Bah, rien qu'à vous écouter, on se dit, mais quelle jeunesse éternelle. Oui, oui, dans la tête, oui. Puis si j'ai pas envie de sourire, je reste chez moi. Hein. C'est bien connu. Hier, il y avait un film magnifique avec. C'était Mélodie en sous-sol, hein, avec Jean Gabin et Alain Delon, et avec les dialogues de Michel Audiard. Il y a un côté Michel Audiard dans votre phrasé, chère Catherine Œuvrard. Parce que souvent, on me confond avec Pierrette Bresse. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime autant que vous disiez ça. Oh, elle a marqué l'histoire du tiercé. Oui, elle était... c'est vrai, mais moi, on m'a demandé le tiercé gagnant une ou deux fois déjà. J'étais très gêné. Si vous, les auditeurs de Sud Radio, vous le regardez sur YouTube, vous jetez un œil et vous comprendrez pourquoi on peut penser que Catherine Œuvrard ressemble à la regrettée Pierrette Bresse. Ils verront aussi ce que les auditeurs ne peuvent pas voir, que Catherine Œuvrard a une tenue très jolie et très colorée, qui nous fait durer un petit peu l'été dans cette période de pluie. Il faut se mettre du jaune. Et chers auditeurs, vous venez d'entendre notre deuxième vraie voix, là aussi un incontournable, un traditionnel chroniqueur et consultant. Comme vous y allez. Ben oui. Mickaël Sadoun, de retour. Bonjour. De vacances. Ouais. Alors, le bronzage est encore là ou pas? Oui, un petit peu. Le bronzage est là, ça oui, mais alors vous faites partie de ceux qui dites on revient plus fatigué qu'avant. Oui. Oui, je sais plus qui a dit on n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est assez juste, je trouve. Bon, eh bien, ça tombe bien, nous ne travaillons pas. Ah bah, je viens de voir arriver notre troisième vraie voix. Alors, notre troisième vraie voix, il s'agit de Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin, consultant en entreprise. Bonjour. Qui s'assoit sur sa chaise et qui, du coup, peut nous dire... Bonjour. Voilà, il est en âge. Je suis pas en âge, j'étais en scooter. Ça veut dire que vous n'êtes même pas pressé alors. Mais quelle honte. Et je me suis pris une saucée telle François Hollande. Attention, hein, c'est un destin. Bon, chers amis, au programme de ce mardi 20 août, entre la célébration du triomphe olympique français et les tergiversations politiques au sommet de l'État, certains s'interrogent. Le monde de l'entreprise, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation... Du coup, avec toutes ces inquiétudes de ces différentes catégories du monde de l'économie, eh bien, on en est à se poser la question, et ça sera l'objet de notre grand débat. L'économie française va-t-elle bénéficier de l'effet Jeux Olympiques? Allez donner votre avis sur le compte X de Sud Radio. Il y a un hashtag, hein, Paris 2024, mais aussi hashtag Premier Ministre, parce que nous associerons les deux, bien sûr. Il y a la dynamique économique attendue des Jeux Olympiques, mais il y a cette situation politique qui a tendance, et nos vraies voix qui sont des spécialistes, vous l'avez compris, nous dirons que les entreprises en ce moment sont plutôt fébriles ou fragiles. Allez, les deux. Deuxième grande consultation du soir, elle concerne la toute proche rentrée scolaire et l'octroi à partir d'aujourd'hui de la fameuse allocation de rentrée scolaire pour près de 3 millions de familles. Les montants s'échelonnent autour de 400 euros. L'occasion de se repencher sur ce système et sa rentabilité, et d'où la question de notre coup de projecteur à 18h40. L'allocation de rentrée scolaire doit être pour vous 1. Généralisée, 2. Augmentée, 3. Minimisée, 4. Supprimée. Ben oui, il en faut pour tout le monde. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec l'un de ces quatre termes, c'est que j'ai oublié quelque chose. Voilà, vous nous donnez dès maintenant votre avis.
avis sur la question sur le compte X de Sud Radio, je vous le disais. Aussi, vous nous appelez au 0826 300 300, tout comme l'a fait Christine de Privas. Oui, bonjour. Voilà, moi j'appelle, je suis Christine de Privas, donc, et j'appelle pour les commissariats de quartier. Bon, ce qu'il faut savoir, j'ai 73 ans, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces commissariats de quartier, si je me souviens bien, ils ont fermé il y a peut-être 20 ou 30 ans, hein, je ne sais plus maintenant. Ils ont fermé parce qu'ils étaient tout le temps attaqués, détruits par les jeunes de l'époque. Hein, je ne sais plus en quelle année c'était. Donc, ils ont fermé les uns après les autres. Donc là, ils vont les rouvrir. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme il y a 20 ou 30 ans. Hein. Ils vont les détruire, ils vont tout saccager. Voilà. Voilà la France où on en est. On détruit tout, on casse tout et tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Merci et bonne journée. Il n'y a pas de question. Bon, alors Christine, oui. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu défaitiste, mais qui pourrait lui dire non, ça va très bien se passer. Je rappelle quand même que ça avait été instauré à partir de 1998, hein, sous le gouvernement Lionel Jospin. On appelait ça en fait la police de proximité, avec ses commissariats de quartier qui ont été supprimés en 2003 par alors le ministre de l'Intérieur du gouvernement Raffarin, qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Création, ouverture, et je pense que c'est ce à quoi vous faites référence, Christine de Privas, à ce commissariat dans le quartier Pissevin de Nîmes. Des commissariats dans les quartiers défavorisés, Michael Sadoun, ça doit être la règle, le principe. C'est une évidence, mais un constat général, c'est que les problèmes de sécurité, pour moi, n'ont pas vocation à se résoudre que par la présence de policiers sur le terrain. Je pense qu'il faut travailler d'autres maillons de la chaîne pénale, et notamment la justice, qui est le vrai parent pauvre des politiques publiques en France. Le budget de la justice est deux fois inférieur à l'Allemagne quand on compare le budget qu'on met, je dirais, par habitant. Il y a en plus, on le sait, une certaine idéologie qui règne parmi la magistrature, et je pense que c'est d'abord ce maillon-là qu'on doit traiter avant les policiers, qui sont déjà bien éreintés, je pense, par tout le travail qu'on leur demande. Catherine Evrard, ce commissariat dans le quartier Pissevin à Nîmes, où il y a eu des crimes d'ailleurs liés au trafic de drogue, il a le mérite d'être là, non ? Oui, ce n'est ni la première fois ni la dernière, hélas. Moi, je pense qu'il y a un sujet quand même qui est important, c'est tout ce qui est trottinette, vélo, Vespa, et finalement des gens qui sont de plus en plus nombreux, qui attaquent de plus, pour certains, qui font des méfaits en permanence et qui ne sont jamais arrêtés parce qu'on ne peut pas. Vous êtes agent de police, vous ne pouvez pas vous mettre... On ne peut pas faire comme en Grande-Bretagne, par exemple, on rentre dedans pour... On rentre dedans, ce qui n'est pas terrible. Alors, évidemment, la police de quartier, bravo, mais sous réserve qu'ils infiltrent un peu les familles qui ont besoin d'aide et qu'on essaye de faire quelque chose, parce que ça fait 30 ans qu'on en parle et on en est toujours réduit au même point. Le retour de la police dans les quartiers défavorisés, c'est ça, Pierre-Yves Martin. Eh bien, pas du tout. Moi, pour rebondir sur ton propos, Mickaël, j'entends complètement la justesse de ton propos et la pertinence de renforcer la dimension pénale, mais je pense que en amont, il y a un vrai sujet de, je ne sais pas si c'est le bon terme, de prévention, de réflexion autour de l'urbanisme, de l'accompagnement social, aussi, etc. etc. Alors, et prévention fait... efficace pendant les Jeux Olympiques, par exemple. Oui, mais ça, ils sont capables. Hein. Mais et donc, du coup, ça veut dire quand même que ça fait à peu près... moi, j'ai 51 ans. Ah, on dirait pas. Oh, t'es gentil. j'ai un peu l'impression que depuis tout gamin, j'entends parler du risque d'implosion des banlieues sans que quelque chose d'efficace soit fait. Et donc, du coup, peut-être que c'est trop tard, j'en sais rien du tout. On a eu des plans banlieues. Hein. Ah ouais. Il y a eu des plans banlieues. Pour 50 milliards d'euros à peu près. Ouais, que tous les plans qui se sont succédés. J'ai parlé d'efficacité aussi. Donc, oui. Et voilà. Oui. Et puis la caractéristique de ces plans banlieues que vous évoquez. Moi, je suis un fan de Borloo, par exemple. Je trouve le personnage très 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 sympa, très très dynamique. Mais il y a toujours ce risque de collusion avec les enjeux de médias, d'influence, et du coup, on en oublie peut-être l'essentiel et surtout la perspective dans le temps. C'est des effets d'annonce, et en fait, quand on revient un an, deux ans, trois ans, quatre ans après,
on se rend compte que ça ne marche pas parce que ça n'a pas été suivi, animé dans la durée. Référence à Jean-Louis Borloo, donc ancien ministre et maire de Valenciennes. C'était un ancien maire de Valenciennes. Ancien maire, aujourd'hui il a repris son métier d'avocat. Et ce soir à Valenciennes, l'équipe de Lille joue son match de préparage en Ligue des Champions, c'est du foot, bon bref, on y pense. Alors direction 0826 300 300, elle sera aujourd'hui notre auditrice fil rouge de cette émission. Je salue Sandra qui nous appelle de Vendée. Bonsoir Sandra. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Bonsoir. Quel temps fait-il en Vendée? Alors il a plu ce matin et maintenant on a un beau ciel bleu et il fait beau, il y a du soleil. Je dis ça parce qu'en fait ça a commencé par vous, d'après ce que nous a dit Rémi André. Et là donc, alors la pluie que vous avez eue là, elle est sur Paris et donc je préviens les Bourguignons par exemple, puis après les Alsaciens, ça arrive et voilà. Sandra, quelle ville en Vendée? Chaland. Chaland, ah je connais. Oui. Un fief de basket, hein, d'ailleurs. Ah oui, ouais. Belle équipe. Eh oui. Bon. Il est fort ce Frédéric. Hein. Quelle culture. Sur le sport, ça va. Juste un mot, Sandra, avant de vous laisser la parole. Vous savez que vous jouerez avec nous tout à l'heure et écoutez bien les trois vraies voix parce que vous allez devoir vous associer avec l'une de ces trois vraies voix. Essayez de savoir laquelle de ces trois vraies voix est la plus calée en musique parce qu'il y aura ce petit quiz. Bon, alors vous avez aussi le droit à un coup de gueule. On vous écoute. Sandra, c'est maintenant. Alors, c'est un coup de gueule, mais c'est surtout beaucoup de tristesse de voir au quotidien dans les médias toute cette agressivité, toute cette violence, agression, risque, fusillade, viol, ça touche toute la population, que ça soit les personnes âgées maintenant, on voit des choses abominables, des jeunes filles de 15 ans, enfin voilà, c'est à tous les niveaux. C'était plutôt citadin et ça devient, ça arrive dans les villes moyennes et même dans les campagnes. Et du coup, ma question, c'est quelle solution, et vous en avez parlé un peu tout à l'heure, les plans banlieue, etc. Mais moi, je pense que c'est plus profond. Je pense que c'est vraiment dans notre éducation à nos enfants, ça doit démarrer encore plus tôt que ça, en fait. C'est pas que la ville, c'est pas que les bâtiments, c'est aussi l'éducation, c'est les repères familiaux qui, malheureusement, et moi-même je suis divorcée, voilà, ça crée des difficultés parfois dans l'éducation des enfants. Ouais. C'est l'aspect économique, enfin voilà, c'est vraiment multifactoriel, donc c'est quoi les solutions? Donc, comme les vraies voix sont pertinentes, ils vont nous donner plein de belles solutions. Alors, c'est pas plus de réponses que vous. On aura l'occasion d'en reparler, mais finalement, vous nous avez apporté une autre réponse à travers ce qu'on appelle ce coup de gueule. Mais en fait, c'est vrai, Mickaël, tout à l'heure, quand on a évoqué la police de proximité, a évoqué la justice, vous évoquez l'éducation. Bien, voilà encore une réponse. En tout cas, je pense que sur ce premier volet de l'émission, des vraies voix avec vous, les auditeurs en force de proposition, eh bien on a déjà un peu avancé, mais c'est vrai qu'on n'a pas la réponse. Sandra, vous restez avec nous, il va y avoir le débat de 17h30 notamment, vous serez avec nous et vous nous direz ce que vous en pensez. L'économie française va-t-elle bénéficier de l'effet Jeux Olympiques? Et puis vous serez aussi, je le disais, avec nous en fin d'heure pour jouer. Voilà, dans un instant nous retrouvons notre Antoine Mazer national qui nous parlera de l'actualité avec ses trois mots de l'actu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix avec nous ce soir, Catherine Evrard, Mickaël Sadoun et Pierre-Yves Martin. Vous les avez entendus, prêts, dispo pour partager avec vous les grands sujets de l'actualité qui vont d'ailleurs, pour certains, nous être amenés comme chaque jour par Antoine Mazer. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors les trois mots de l'actualité ce soir, je lis votre petit billet. Ben justement, billetterie, hôpital et piscine. Et oui, on commence par billetterie. La billetterie des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques surtout, connaît un bel engouement actuellement. 1 700 000, c'est le nombre de billets vendus pour les Jeux Paralympiques depuis le début des JO. C'est Tony Estanguet qui l'a annoncé ce matin, le patron de Paris 2024. En conférence de presse, il en est très content. La billetterie officielle des Jeux Paralympiques propose notamment une formule dédiée aux familles. Pour 2 billets classiques achetés, il sera possible d'acheter 2 billets enfants à seulement 10 euros. L'organisation propose également un pass découverte pour vous permettre de découvrir
découvrir plusieurs parasports sur une même journée pour seulement 24 euros. Dans une conférence de presse, Amélie Oudéa-Castéra a également indiqué que l'État allait inviter 300 000 personnes pour ces Jeux paralympiques dans le cadre de ce que vous savez, la billetterie populaire. On l'écoute. L'État invite 300 000 personnes pour ces Jeux paralympiques, près de 200 000 scolaires, 20 000 jeunes qui sont soit des jeunes défavorisés, des jeunes issus de l'enfance relevant des dispositifs de l'enfance protégée, avec notamment sur nos publics scolaires, des jeunes qui viendront de toute la France, y compris Outre-mer, avec leurs professeurs. Voilà, la ministre, avec un petit effet bizarre derrière, a pu faire ici, Londres. C'est un peu ça. Voilà, alors, c'est une bonne nouvelle. Je précise d'ailleurs que nous reparlerons tout au long de la semaine prochaine dans les vraies voies de ces Jeux paralympiques. On aura des débats dessus, etc., etc. Deuxième mot, Antoine Mazer, hôpital. Et oui, c'est la crise de l'hôpital public qui continue de durer depuis plusieurs mois maintenant. Le problème, trop de patients à prendre en charge et pas assez de personnel soignant pour s'en occuper, comme à l'hôpital de Brest où plus de 130 patients ont dû attendre plus de 20 heures sur un brancard aux urgences avant d'être pris en charge, a recensé Thomas Bourris, qui est le secrétaire général CGT-CHRU Brest Carré. Il était au micro de BFM TV ce matin, on l'écoute. Nous sur Brest, en tout cas, on sait très bien qu'il y a énormément de patients qui attendent très longtemps sur des brancards aux urgences. Et là, c'est incontestable. Il y a même une étude en 2022 qui montre l'ISERM mené à la PHP qui dit clairement qu'il y a une augmentation de la mortalité pour des patients de plus de 75 ans qui attendent une nuit en brancard en attente d'hospitalisation. Donc c'est pour ça, à Brest, nous on a fait le recensement, on a recensé plus de 130 patients qui ont attendu plus de 20 heures sur un brancard aux urgences avant d'avoir une solution de sortie ou un lit d'hospitalisation. Et plusieurs patients ont dû attendre jusqu'à 70 heures avant d'être transférés dans une unité de soins. C'était à Nantes, et affirmé il y a quelques jours le syndicat Force Ouvrière. Ils annonçaient également la mort de 4 personnes dans un communiqué. La direction de l'établissement, elle, reconnaît un seul de ces décès comme accidentel. À Marseille, autre information, dans l'hôpital, des foyers de contamination de punaises de lit ont été identifiés aux urgences de l'hôpital Nord ce week-end. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille a fait appel à des chiens renifleurs aujourd'hui, ainsi que des pièges ont été posés. Et dans un entretien accordé ce matin à Ouest France, Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé et des Missionnaires, estime qu'une cinquantaine d'hôpitaux seraient actuellement en tension en France. Bon, on a l'impression qu'on n'en sort pas. Rapidement, une petite réaction des vraies voix. Pierre-Yves Martin, c'est à se déprimer, hein ? Je ne sais pas si c'est à déprimer ou pas, mais c'est particulièrement troublant. Parce que pendant la crise sanitaire, il y avait eu une prise de conscience collective autour des enjeux de la transformation du monde hospitalier, et on a l'impression que tout a été oublié, sans même parler de mesures ou de programmes de transformation. On a l'impression que tout a été oublié, et du coup que c'est sans fin ce problème. C'est comme un peu le sujet des banlieues. On a comme ça 3, 4, 5 sujets pour la société française qu'on n'arrive pas à décrypter et à solutionner. Alors Catherine Evrard, je rappelle, vous êtes chasseuse de tête de dirigeants. Vous n'en avez pas un parce que c'est un problème aussi de gestion, j'ai l'impression. Oui, non, mais il y a avant tout payer mieux les médecins. Tout le monde le dit depuis des lustres, mais on n'a pas changé. Les médecins et les autres, les infirmiers, etc. Évidemment, les infirmières, elles sont super importantes. Et deuxièmement, arrêter d'alourdir les études de médecine. Parce qu'on en est arrivé à prendre des médecins étrangers, parce que nos médecins, ils font 10 ans, 12 ans, pour peu qu'il y ait une spécialité, je sais plus combien d'années. Bon. Et pendant ces années, les stagiaires devraient être payés. Alors je crois qu'il y en a qui le sont, mais je suis même pas très sûr. Enfin, moi, j'appartiens à une famille médicale. Je peux vous dire que mon oncle, qui était un ponte assez connu dans la médecine, j'arrêterai là, grand professeur de faculté de médecine, disait déjà, il aurait 110 ans, il disait déjà à l'époque que c'était une honte de traiter les infirmières comme elles sont traitées, et que tant qu'on ne donnait pas un coup de pied dans la fourmilière sur les hôpitaux, on n'y arriverait jamais. Ouais. C'est tout. Michel Sadoun, le nom du prochain ministre de la Santé aura son importance, hein. Ah oui, complètement. Bon, même si je pense qu'évidemment les choses se décident toujours au niveau du président de la République, et ça s'est manifesté d'autant plus pendant le Covid. Il y a deux sujets à mon avis dans ça. Il y a d'abord le sujet du numerus clausus, qui était une des promesses du gouvernement qui n'a jamais été réalisée. Donc plus là, les 10 ans, c'est-à-dire que oui, les 10 ans d'études, donc voilà. Ça veut dire qu'on repousse. Il faudrait vraiment revenir sur ça, définitivement. La deuxième chose, c'est évidemment les moyens qui sont mis dans l'hôpital, mais
Les dépenses de sécurité sociale étant déjà record en France par rapport au reste de la planète, c'est un sujet de réallocation, c'est pas un sujet d'augmentation. Donc il faudrait par exemple en finir avec le personnel non soignant qui représente à peu près 30 à 35% de l'hôpital public, ce qui est énormissime, beaucoup plus qu'en Allemagne qui a à peu près 20%. Il faudrait en finir avec ces structures administratives trop lourdes pour mieux rémunérer les médecins et les infirmières, oui. Ce qui a été dit. Elles ont été augmentées de 180 euros par mois pendant le Covid, c'était une très bonne chose. Je trouvais que le Ségur de la Santé était vraiment une bonne chose. Mmh. Mais il faudrait encore mettre les bouchées doubles là-dessus. Vous êtes ministre de la Santé, vous, non ? Oui, c'est oui. Bon. D'accord. J'ai préparé les dossiers. Votre acte de candidature a été entendu. Écoutez, bon, troisième... Si la France m'appelle... C'est beau, en tout cas, vous le faites très bien, Michel. Oui, c'est ça. Antoine Mazer, le troisième mot. Alors là, on décompresse. Sympa, le mot c'est piscine. Eh oui, le club et de pourtant... natation de Léon Marchand qui souhaite récupérer le bassin olympique pour le ramener à Toulouse. C'est en effet le club des dauphins du TOEC de Toulouse où est licencié Léon Marchand, même s'il s'entraîne depuis 3 ans aux États-Unis. Bien avant les JO, la ville ainsi que le club avaient demandé à l'État et à la fédération de récupérer le bassin olympique à la suite justement des Jeux Olympiques. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Mondinck, en avait parlé il y a quelques jours dans les vraies voix de Christine Bouillot de cette démarche, on l'écoute. Nous avons fait, le président du club, Vincent Gardeau et moi, une demande, c'était en mai 2021, vous voyez, on n'a pas perdu de temps, où on s'est mis sur les rangs auprès de la Fédération Française de Natation pour récupérer un des 3 bassins olympiques, le plus grand bassin, celui qui compte 10 couloirs où Léon a fait ses exploits. Et donc effectivement, nous sommes sur les rangs, c'est une décision que l'État doit prendre. Donc l'État doit prendre dans quelques jours. Et justement, pour en faire quoi de ce bassin ? Ben déjà, c'est un bassin qu'il souhaiterait baptiser la piscine Léon Marchand après les exploits du nageur toulousain. Ça, c'est bien. 4 ouais. médailles d'or et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Et ben, les dauphins du TOEC aimeraient intégrer ce bassin dans un projet ambitieux de 30 millions d'euros qui va prendre le nom de la Cité de la Natation. C'est un lieu immense de 10 000 mètres carrés sur 5 niveaux pour performer en natation avec au total 3 bassins, dont un bassin olympique extérieur, un bassin olympique de 25 mètres couvert et un bassin d'apprentissage. On retrouvera également une salle de musculation, un pôle médical, un lieu de vie avec restaurant et club house et des salles de formation. Et c'est un projet qui devrait voir le jour dans moins de 3 ans, en 2027. Ben voilà, le renouvelable, c'était l'une des philosophies de ces Jeux de Paris 2024. Alors, 2027, ça aurait été bien un an avant, parce que comme ça, on pourra y préparer les Jeux de Los Angeles en 2028. Bon, il y avait beaucoup de réactions autour de la table. On doit y aller. Si c'est une seconde, Pierre-Yves... J'ai juste une question pour le béotien. Ah oui, que ben voilà, ça va amener pas mal de temps. Comment fait-on pour transporter un bassin de 10 longueurs. Eh bien, vous venez de donner un sujet de reportage à Antoine Mazer qui nous le dira. Je serai dans le camion. Dans le courant de la semaine. Bah déjà, on va attendre déjà la fin des Jeux Paralympiques parce qu'ils vont en avoir besoin. Voilà. C'est vrai que ça va demander des... Heureusement que je vous ai dit une poignée de secondes à tous les deux. Oui. Merci. Mais c'est notre côté sud. Et Antoine revient à 18h05 ouais. avec un médaillé olympique. Un champion olympique parce qu'il a des médaillés olympiques tous les jours. Là, ça sera un champion olympique rugby à 7. Exactement. Oh là là. Stephen Parra. Et ben voilà. Super. Allez, quant à moi, je continue ce que je voulais donc vous dire. Depuis quelques jours, vous nous interpellez sur Sud Radio pour évoquer la crise agricole liée au blé, pour évoquer les plans sociaux, le déficit de l'État. C'est donc que notre économie patine. Pourtant, la France ressort revigorée de ces Jeux Olympiques, pas seulement dans le domaine du sport. Dans le même temps, l'absence de gouvernement actif inhibe les entreprises, incapables de savoir à quel sein se vouer. Dans un instant, vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat dont la question est: l'économie française va-t-elle bénéficier de l'effet Jeux Olympiques ? A tout de suite avec nos 3 vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous, vous l'avez compris, sérieux et souriant, c'est la devise. Avec nous, Catherine Evrard, présidente fondatrice de CE Consultant, qui est un cabinet de chasse de tête de dirigeant, chasseuse de tête de dirigeant, oui. et donc spécialiste du monde de l'entreprise. Ça va avoir son importance dans un instant. Michael Sadoun, notre chroniqueur, expert politique, là aussi ça va avoir son importance dans un instant. Et puis Pierre-Yves Martin, consultant dans le monde de l'entreprise, qui parle à l'oreille des grands champions et ils vont évidemment, nos 3 vraies voix, participer au grand débat qui arrive. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
L'INSEE envisage, je cite, un effet JO sur la croissance française de l'ordre de 0,3 points de PIB au troisième trimestre. Ajoutons que depuis la tenue de l'événement, l'atmosphère vire à l'enthousiasme dans notre beau pays. Le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges estime que les Jeux Olympiques sont susceptibles d'avoir généré sur une période d'environ 15 ans, qui a donc débuté, qui se perdurera jusqu'à 2034, générer entre 6 et 11 milliards d'euros en termes de retombées économiques. Pourtant, la parenthèse et l'instabilité politique paralysent nos entreprises et l'angoisse rôde chez nos acteurs de l'économie. Nous vous posons la question. Je vais vous donner la tendance dans un instant. C'est sur le compte X de Sud Radio. Dites-nous, est-ce que l'économie française va-t-elle bénéficier de l'effet Jeux Olympiques ? Vous nous appelez aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous vivez, comme ça a été le cas déjà hier, on en a parlé avec des agriculteurs. Si vous voyez que l'économie française vire à l'inquiétant et que des tendances vous inquiètent, ou alors d'autres, bien sûr, qui vous rassurent, on n'est pas obligé d'être négatif. Une tendance, cher Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que disent les entreprises en ce moment ? On a l'impression qu'elles ont tout bloqué de leur budget. Alors, ouais. Il y a eu deux. À ce stade, il y a pour ma part deux temps forts. Le premier temps fort, c'est juste avant les JO. Là, c'est grosse inquiétude perçue, blocage de toutes les allocations budgétaires, de toutes les lignes d'investissement. En réaction à la dissolution. En réaction à la dissolution, en réaction aussi au contexte économique qui est incertain, et à l'impact possible de l'organisation des JO sur notamment la vie parisienne. Et la vie économique parisienne. Et il y a un deuxième temps fort qui est fin juillet, début août, qui commence fin juillet, début août, où il y a une espèce de réconciliation un peu nationale, en tout cas sociétale, où les gens, les Français se mettent à exprimer leur soutien, leur passion pour le sport, pour les JO, pour Paris, pour la France, etc., etc. Ça n'a pas forcément d'impact sur l'économie française, ça c'est certain. Mais en tout cas, dans la tête de nos concitoyens, ça a un impact fort. C'est-à-dire que... On marche aussi, c'est un peu comme en sport, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, de l'économie, marche aussi au mental. Exactement. Et le mental, du coup, est meilleur. Il y a eu un effet de soulagement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je perçois les mimiques de mes chers amis vraies voix. Ils se tarent de vous répondre. Voilà. Mais je perçois, mais j'ai peut-être un mauvais regard, mais je perçois quand même un effet de soulagement, un effet positif sur la psychologie des Français. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut en profiter. Catherine Evrard. Bon, alors moi, je suis pas tout à fait de cet avis, même si je reconnais que ça a été un engouement exceptionnel, ces Jeux Olympiques, et que tout le monde était très heureux. Sauf que d'abord, c'était très parisien. Ne l'oublions pas, personne ne le dit, mais quand même. Il y a eu des lieux qui en ont profité, Marseille, Lille, Châteauroux. Oui, un peu, mais bon. Deuxièmement, je pense que ceux qui se sont payés les Jeux Olympiques, avant le Paralympique, où je viens d'entendre les prix, ont quand même dépensé beaucoup d'argent et ont surtout mangé sandwich, boissons, machin. Et je pense que l'effet, en tout cas concernant les Jeux, on ne le verra pas tout de suite. On le verra peut-être dans un an, deux ans. En revanche, sur l'entreprise, pour moi c'est très net, ça date pas des Jeux Olympiques, ni même de la dissolution. La dissolution, on a rajouté une louche. Ouais. Excusez-moi d'être grossière. Ça a commencé l'élection du député de l'Europe, ensuite l'élection à l'Assemblée nationale, et depuis un moment, il n'y a aucune vision. Et je peux vous dire que je passe ma vie avec des grands patrons et des patatrons, les deux. Ouais. Et je vous dis franchement qu'ils sont pas sereins et qu'ils sont inquiets et qu'ils suspendent. Moi, j'ai franchement un volant de mission assez énorme. Mm-hmm. J'en ai plein, j'ai plein de fer au feu. Mais ils attendent. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Oui. Et en fait, c'est pas très bon. Catherine Evrard, par rapport à ce que vous nous dites, il y a donc deux événements. Et Pierre-Yves Martin, avec son talent habituel, nous l'a bien recontextualisé. Je vous adore, Frédéric. Ouais, Monseigneur, il est là. C'est-à-dire qu'il y a la dissolution. Donc là, on va dire, ça nous remet une plombée. Ah, oui. Mais après, il y a les JO. Et là, ça nous. Donc finalement, c'est kiff-kiff, c'est un partout, la balle au centre. Et on se retrouve à la même problématique. Est-ce que les politiques en ont conscience, Michael Sadoun ? Parce que là, en fait, c'est l'effet politique plus que l'effet Jeux Olympiques qui joue sur l'économie.
Bon, alors c'est vrai que là, on a parlé de l'impact microéconomique. Je travaille aussi avec des chefs d'entreprise et je fais aussi plutôt le constat de Catherine Evrard, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans l'attentisme et ils craignent notamment la venue du NFP au pouvoir. Oui, ils sont très frileux. Hein. Voilà. Nouveau Front Populaire. Ça dérive du Nouveau Front Populaire. Ils craignaient aussi l'arrivée du Rassemblement National avant le deuxième tour. Mais de toute façon, le monde économique en général n'aime pas les extrémités politiques. Après, on en pense qu'on en veut. Et puis la démocratie, c'est la démocratie. Mais le monde économique n'est pas très friand de ça. Bon, c'est le regard microéconomique. Sur la macroéconomie, l'impact des JO est relativement décevant. C'est-à-dire qu'il y a eu des études économiques qui ont été faites avant les JO par exemple, la Banque Oddo BHF ou par exemple l'OFCE, qui est un institut d'économie, je dirais, non intéressé, entre guillemets, et qui prévoyait des retombées économiques de l'ordre de 15 milliards d'euros. On est plutôt aujourd'hui à 10 milliards d'euros. C'est bien, mais quel a été l'investissement ? Et essentiellement dans le tourisme ou pas ? Non. C'est 60% pour le tourisme et 30% dans la construction. Donc vous voyez qu'en réalité, les dépenses publiques ont alimenté l'économie à hauteur de ce qu'elles ont été investies. On a dépensé 10 milliards. Beaucoup d'investissements privés aussi quand même dans ces Jeux Olympiques. Oui, mais bon, c'est quand même l'État qui a régalé. Parce que les constructeurs, etc., j'ai envie de dire, ils ont bénéficié aussi de la main de l'État. Mais donc l'État a régalé, mais l'État a reçu en retour, parce que les prix des places... Et puis l'État va probablement recevoir un peu en retour, mais voilà, l'impact économique est à peu près le même. C'est-à-dire qu'il a dépensé 10 milliards, il va récolter à peu près 10 milliards. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie, ça s'appelle le multiplicateur keynésien, il est à peu près de 1 pour cet investissement. Ouais. Donc c'est pas remarquable non plus. Après, concernant le mental, je sais pas, j'espère que ça va influer sur l'économie et qu'on va avoir une belle rentrée. Bon, Sandra est avec nous au 0826 300 300. Les auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Comment sentez-vous l'évolution de l'économie après avoir pris ce bol d'air olympique ? Sandra, depuis la Vendée, depuis Challans précisément, vous sentez une économie qui peut repartir ou dans le quotidien, vous dites ça ne change rien ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je suis courtier en crédit immobilier. Ah, très intéressant. Donc, je peux vous dire ce qui se passe un petit peu. Alors, à mon humble niveau, je veux pas le reflet ni de la France ni de la Vendée dans sa totalité, mais il y a clairement un ralentissement important qui est dû à ces multifactoriels, les taux qui ont augmenté, le coût de l'immobilier qui n'a pas encore suffisamment baissé pour permettre d'amortir cette hausse de taux, la suppression de certaines aides pour les jeunes, entre autres pour les primo-accédants. Bref, c'est pas limpide. Les artisans que je rencontre sont plutôt sur des prises de commandes habituelles sur un an. Là, ils sont plutôt sur du 3 voire 4 mois. Donc, c'est quand même... Bon, alors, ça reste peut-être plus normal qu'en 2018-2019. C'était un peu particulier entre 2021 et 2023. Donc, voilà, faut peut-être pas se fier au pic, mais c'est quand même un peu inquiétant. Et autre chose, sur la côte, puisque là, à Challans, on est près de la côte, et j'ai aussi de la famille sur la Charente maritime, les gens ne consomment pas. Voilà. Donc les gens sont là. On parlait de Keynes tout à l'heure. Ça, c'est pour le coup, c'est l'histoire de la relance par la consommation. Exactement. Oui, vous le sentez. Les gens ne consomment pas. Donc sur la côte atlantique, oui. Dans l'ensemble, ils sont là. Il y a une petite baisse des réservations dans certains campings, mais dans l'ensemble, les gens sont présents. Par contre, vous voyez, j'ai une de mes belles-filles qui vend des glaces. Et ils vendent beaucoup moins de glaces parce qu'une glace, quand on est une famille de 5, c'est 30 euros pour juste avoir chacun une glace. Donc, d'ailleurs, on pouvait baisser le prix de la boule, ça serait pas mal. Parce que des fois, il y a quand même un peu des abos. Moi, je suis un fan de glace, mais bon. Ouais. Sauf que le patron, moi je le connais, que lui aussi ses charges, elles ont augmenté. Donc, il fait ce qu'il peut pour arriver à maintenir son affaire lui aussi. Et que du coup, les perspectives des élections et entre autres de ce triple pouvoir, ce monstre à trois têtes qui n'arrive pas à sortir, c'est pas très rassurant pour l'économie ni pour la population. Parce que ça va pas être dans la stabilité. Moi, je suis pas une grande économiste, mais je me dis qu'on est parti pour quelques années de bazar et de non-décision, surtout, qui risque d'être compliqué. Alors, c'est assez intéressant, d'ailleurs, que vous disiez, je ne suis pas une grande économiste, mais j'étais juste en train de me faire, Sandra, la réflexion que, à travers des cas concrets, finalement, toutes les grandes thématiques de l'économie nous ressautaient à la figure, et notamment celui de la consommation. Par rapport à ce que dit Sandra, Pierre,
Pierre-Yves Martin. Juste pour vous dire, hein, sur la consultation, bon, évidemment, on s'y attendait un peu. Selon vous, l'économie française va-t-elle profiter de l'effet Jeux Olympiques? Vous dites non à 92%. Bon, je dirais, tiens, il y a 8% quand même. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que s'il y avait que les Jeux Olympiques, finalement, on pourrait espérer, mais tout revient au quotidien. Pierre-Yves Martin. Oui, mais on a tous une part de responsabilité. Je reconfirme ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Il s'est passé au niveau de la consommation un déclic entre fin juillet et début août, où les commerces de proximité, et je ne parle pas des commerces à Paris, je parle des commerces sur le territoire national, ont vu enfin un redécollage de leur activité. De manière maîtrisée, mais il y a eu une inversion de tendance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est super parce que de parler d'économie simplement et de manière lisible, hein, c'est super parce qu'en fait, l'économie, ce qui repose sur l'économie, c'est la confiance. Et quand je parle de responsabilité individuelle, je suis convaincu que, non pas en faisant les ozos irréalistes et écartés de la réalité, mais il faut aussi que chacun porte et soit animé par une posture optimiste. Oui, mais positive. Ce qui n'est pas notre cas. Oui, mais si on se dit, Frédéric, Frédéric là, tous les quatre, oh ça va mal, etc. Tous les cinq avec Sandra. Non, je caricature un peu, mais ouais. C'est pour vous. Non, mais justement, mais ce voilà. Qu'a dit Sandra. Sandra a dit. J'ai bien écouté tout le détail. Mais moi aussi, j'ai bien écouté. Et Sandra, n'hésitez pas à vous inscrire en faux si je travestis vos propos. Mais vous avez dit, ils sont là, mais ils ne consomment pas. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que on y va en envie, mais oh la boule de glace quand même. Attends, c'est 4 euros la boule. Oui, mais ça fait semaines et des semaines, des mois et des mois que tout le monde se redit que c'est la catastrophe, c'est l'instabilité politique, ça va mal, on va pas s'en sortir. Oh, après deux ans, ça, c'est l'inflation aussi, c'est le résultat de l'inflation. Après deux ans d'expression médiatique sur l'inflation, mais il y a quand même une. Je reviens sur ce sujet de responsabilité individuelle, même si c'est compliqué, hein. Mais je pense qu'on doit aussi, et en tant que Français, on a des difficultés avec ça, voir peut-être de manière plus positive la vie. D'accord. Alors, message entendu. Et quand bien même, la personne qui va être la mieux placée du monde pour répondre à cette question est à ma droite. C'est Catherine Evrard, je le rappelle, chasseuse de tête, de chef d'entreprise, oui, parce que de dirigeant. Un chasseur de tête, ça voit beaucoup de monde. Voilà. Et alors, on essaye de débaucher, je rappelle, les meilleurs, mais s'ils sont un peu moins bons, on les aime bien aussi. Parce que, bon, que les consommateurs, précise, Catherine, oui. Que les consommateurs aient le moral ou pas, c'est une chose. Pierre-Yves Martin vient de le dire. Mais les producteurs, ceux qui ont... Ah bah attends, les dirigeants... Ils n'ont pas. Je vais quand même faire un bémol. Je vais quand même faire un petit bémol. Si ce sont des employés qu'on cherche, que ce soit dans la distribution, etc., comme on en cherche énormément, ceux qui veulent bien travailler et aller dans ces secteurs-là, il y a de la place. On en cherche. Mais c'est pas du tout ce que je fais moi. En revanche, les cadres et les cadres supérieurs, ça ne va bien que dans tout ce qui est geek... Alors, tout ce qui est informatique, oui, voilà. Le cloud, la cybersécurité, ça, je peux vous dire que ça, c'est booming. L'IA. Bon, évidemment, l'IA. Alors, l'IA. L'intelligence artificielle, mais voilà. Mais tout le reste souffre énormément. Je peux pas vous donner de nom, mais il y a un patron de très grand groupe, plutôt dans les produits du luxe, qui, depuis 6 mois, a gelé tous les recrutements. Et il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et pourquoi gèle-t-il les recrutements? Mais parce qu'ils n'ont pas confiance en ce moment. Parce qu'on sait pas où on va. Parce que, franchement, c'est très compliqué. C'est-à-dire en ce que moment, deux, hein. Parce que le secteur du luxe a aussi beaucoup profité de la période d'inflation, hein. Non, puis la Chine. Il y a une raison dans le luxe. Oui, voilà. C'est que la Chine va moins bien. La Chine, non, mais je vais pas vous parler que du luxe. L'automobile. Non, bien sûr. Parce que nous sommes généralistes. Oui. Valeo, pour pas les nommer, sais que c'est un groupe exceptionnel, ils sont en train de licencier plein de monde. Oui, et ça, personne ne se rend compte de ce qui se passe. Ce qui veut dire, et vous avez répondu à une autre question, Catherine, en haut de la pyramide des entreprises, il n'y a pas ce dynamisme, il n'y a pas ce moral. Ça dépend quand même, Michel Sadoun, ça dépend du choix du gouvernement, on en est là.
Ou alors de l'Assemblée nationale. La direction. Enfin, on vit en Europe, ils font du business à l'international, oui. Ces gens. Bah, c'est très dépendant de ça quand même, parce que les conditions fiscales et leurs évolutions pèsent quand même beaucoup sur le moral des chefs d'entreprise, et d'autant plus sur le moral des grands chefs d'entreprise qui sont parfois soumis éventuellement à la dernière tranche d'impôt sur le revenu, qui va probablement évoluer si c'est le NFP au pouvoir, ou au retour de l'ISF qui a été ramené sous sa formule verte par Lucie Castet. Donc je pense que ça pèse sur le moral des chefs d'entreprise. Et puis en plus de ça, si vous voulez, l'économie en France, elle est produite à presque 50% par l'État. Donc comme on est dans une période où il va y avoir probablement une restriction budgétaire du fait des préoccupations autour de la dette, de la montée des taux d'intérêt marginaux, etc., je pense que l'économie va être un petit peu asséchée. Mais je pense que c'est une période nécessaire qu'il faut traverser, parce que depuis le Covid, notre économie vit sous perfusion les aides de l'État. Donc il y a un moment où il faut restreindre. Parce que quand on donne des perfusions à quelqu'un, ça l'évite de mourir. Ça le rend aussi dépendant. Oui. Bon. Donc il faut, je dirais, arrêter progressivement pour que l'économie puisse retrouver aussi une autonomie et un dynamisme. Alors, vous vouliez rajouter, Catherine Evrard. Il y a aussi l'effet PGE. Ah ouais. Je l'appelle comme ça, pour les moyennes et petites entreprises qui ont tous profité de ça, mais il faut rembourser. Et je vous garantis que tout ça accumulé fait qu'il y a un manque de confiance, il y a quelque chose... C'est dommage, moi, plus ça va mal, plus j'attaque, personnellement. Ça, j'ai tout fait ça toute ma vie, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc je suis optimiste. Mais j'ai jamais vu... C'est ma quatrième crise. Hein, ça fait longtemps que j'ai créé ma société. C'est la première fois qu'il y a zéro décision. Je sais pas ce qui se passe. Catherine Evrard ne me dira pas non aussi, mais je pense pour ce volet qui est le recrutement. Vous allez vite en besogne, elle peut vous dire non, Catherine Evrard. On va voir. C'est pour la provoquer. De ce que je vois dans les petites et moyennes entreprises, et pas au niveau évidemment des grandes entreprises qui opèrent sur un marché totalement différent de ressources humaines, mais les petites et moyennes entreprises ont des gros problèmes de recrutement. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle jeunesse qui est en train d'arriver sur le marché du travail, qui a connu le Covid et qui a d'autres habitudes de travail, de ponctualité, d'absence ou pas, etc. Et que ça pèse réellement sur le dynamisme des entreprises. Pour conclure ce débat et très rapidement, les trois vraies voies, donc on a bien compris qu'en ce moment les entreprises ont peur parce que la situation politique risque de ne pas aller en leur faveur. Au-delà de vos convictions politiques, alors quel type de gouvernement faudrait-il ? Je vous le dis, alors en termes de couleur ou on va dire de coalition, en deux mots chacun, on commence par Michel Sadoun. Pour les rassurer. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est pas pour vous faire plaisir. Non. Pour rassurer les entreprises. Je ne sais pas ce qui me ferait plaisir. Je pense qu'en l'occurrence, ce qui leur ferait plaisir coïnciderait plutôt avec ce que je pense être le résultat des législatives. C'est-à-dire que la France, malgré ce que dit le nouveau Front populaire, est plutôt à droite. On pourrait dire qu'Emmanuel Macron, s'il signe un pacte législatif avec les Républicains, arriverait à composer une relative majorité, plus grande d'ailleurs que le NFP, de centre-droit. Il faudrait éventuellement une personnalité non politique pour ne pas fâcher et ne pas vexer tout le monde. Donc moi, je pense qu'il faudrait un haut fonctionnaire, plutôt de centre-droit. J'ai quelques noms en tête, mais voilà. Catherine Evrard, d'accord ? Oui, presque d'accord, franchement. Je pense que ce sont les seuls, le centre, droit et gauche d'ailleurs, qui sont capables de rassembler aujourd'hui. Mais il faut peut-être quelqu'un de rond et d'un tout petit peu âgé. C'est mon idée. Pierre-Yves Martin. Moi, je serais plus sur un axe de représentation nationale des tendances politiques. Et je ne sais pas si c'est réaliste, mais j'aimerais que ce gouvernement soit le reflet au travers de personnalités et maintenant des différentes tendances politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Pour rassurer les entreprises, on rappelle. Pour respecter le signal qui a été envoyé par les Français dans les urnes. Et respecter le signal, ça peut aider à l'économie. Et avec un Premier ministre qui soit suffisamment consensuel. Moi, j'aime pas du tout les hauts fonctionnaires parce que... Mais vu l'époque, on a besoin d'un vrai politique avec une vraie démarche. Merci à tous les trois. Je savais que vous seriez exceptionnel sur ce débat. Et d'ailleurs, on a eu Sandra. Sandra reste avec nous. Elle va jouer avec vous, les vrais voix, et avec vous les auditeurs de Sud Radio, parce que il va falloir dégainer aussi, hein, le fameux quiz de l'été arrive. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel.
Eh bien, nous y sommes à l'heure, c'est l'heure du quiz, oui, ça sonne un peu bizarre, c'est l'heure du quiz. Sandra est avec nous. Sandra, vous connaissez le principe, vous allez devoir choisir l'une des trois vraies voix autour de la table, vous ferez un double, en fait, c'est comme au tennis, deux contre deux, la première des deux équipes qui arrivera à quatre bonnes réponses, qui aura donc trouvé le bon interprète, aura gagné. Vous avez déjà une idée, Sandra, de qui vous allez choisir ? Oui. Je vais jouer avec Catherine. C'est une très bonne chose. Elle est heureuse. Alors, top jingle. Vous venez de faire un choix sur Radio. Le quiz de l'actu. Le quiz de l'actu. Donc, l'équipe des vraies voix. Ça sera donc. On ne parle pas quand je parle. Écoutez bien. Donc, Pierre-Yves Martin et Mickaël Sadoun. Et donc, Sandra qui souhaite être en équipe avec Catherine. Je vous donne un extrait. Marie Fay, notre réalisatrice, vous envoie l'extrait et vous devez nous donner le plus rapidement possible l'interprète. Le thème de ce soir, c'est ça à chaque fois, c'est-à-dire le thème vous dirige. Puisque Mickaël Sadoun revient de vacances, eh bien, c'est le thème de « Je reviens de la plage ». D'accord ? Ça y est. Alors, on doit repartir là. Sandra, c'est un thème qui doit vous inspirer, vous qui n'êtes pas très très loin de La Rochelle, vous l'avez dit tout à l'heure. Attention, qui chante ça ? T'aimais sur les bords. Julien Doré. Ouais. C'est le problème avec. Vous avez vu, il n'y a pas moyen. Avec Mickaël Sadoun, c'est le problème. Il va très vite, oui. Sandra, vous avez Faudrait fait un choix terrible. C'est effectivement Julien Doré. Attention, répondez rapidement, c'est facile. Sur la plage. Allez, je le donne à l'équipe féminine. On va dire. Catherine et Sandra qui ont dégainé, mais en même temps, Pierre-Yves Martin dormait. Il fallait. Non, je ne dors pas. Mais en fait, moi, j'ai un talent avec moi, donc je vais faire émerger les talents et les faire vivre. Je pense que j'étais légèrement avant, mais c'est pas grave. Non, je le donne. Non, dans la vie. Écoutez ce troisième extrait. Souchon, évidemment. Oui, alors malheureusement, vous l'avez dit, Sandra, mais c'est Pierre-Yves qui a été le premier. Oui, c'est Alain Souchon avec cette superbe chanson Ram, Ram. Et comme quoi, Mickaël Sadoun n'est pas invincible. Et... Attention, qui chante ça ? C'est vous, Sandra. Ça fait 2-2. Quel suspense. Attention, voici un nouvel extrait. Toujours le thème, bien sûr, de Je reviens de la plage. Dao, Pierre Dao, Pierre-Yves Martin. C'est peut-être le plus beau match depuis le début de l'été. Oui, hein. Comme tous les soirs. C'est très très vrai. Arrêtez de vous moquer de mes compliments. Oh. Bon, alors attention, c'est une balle de match pour Pierre-Yves et Mickaël contre Sandra et Catherine. Qui chante ça ? Bonhomme. Oui, Bonhomme. Sandra, vous êtes exceptionnelle. Bravo, Sandra. Et ça nous donne la terrible balle de match finale sur le dernier extrait. Attention, écoutez bien, concentration. On enlève Bonnet M et elle veut pas l'enlever, elle adore, hein, Marie. Qui chante ça ? Le jour quand Charles Trenet. Réponse de Mickaël Sadoun. Vous avez gagné. C'est le meilleur systématiquement. Ce qui est incroyable, c'est que avant l'émission, oui, Catherine Evrard a dit bon, moi je connais que Charles Trenet. Et je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas. C'est fichu. Voilà, bravo, vous avez gagné. Et surtout, bravo Sandra, vous avez mis la pression jusqu'au bout. Dans un instant, les infos, on se retrouve. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Les trois vraies voix ce soir, notre inimitable Catherine Evrard, présidente fondatrice de CO Consultant, cabinet de chasseurs de tête de dirigeants. Chasseurs de tête, hein. Mais pas coupeur, hein, bien sûr. Attention, évidemment. Ni croqueur de tête. Bien on sûr. Chasse et après on coupe. Ouais. Vous venez d'entendre Pierre-Yves Martin, consultant notamment dans le monde de l'entreprise, fringant et dynamique, comme d'habitude. Oh. Et puis Mickaël Sadoun, chroniqueur, vous le savez, notre regard aiguisé, habitué des vraies voix, Mickaël Sadoun qui est là avec nous. Alors vous allez. Il est aussi consultant en stratégie, ça n'est pas mentionné dans ma. Mais alors, ma bio. Alors justement, je voulais le rajouter. Et consultant en stratégie.
stratégie. Eh ben, merci bien. Alors, vous allez avec nous, les vraies voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, accueillir l'homme qui nous amène des médaillés olympiques chaque jour, Antoine Mazer. Les vraies voix Sud Radio. Alors Antoine, il y a eu des jours avec des médailles d'or, des jours avec des médailles d'argent. Là, vous nous faites un petit coup d'or. Ouais, c'est un invité exceptionnel ce soir qui a vécu une année tout simplement de rêve. Avec l'équipe de France de rugby à 7, ils ont absolument tout gagné cette saison. La première médaille des Jeux. En réalisant la plus belle saison de l'histoire déjà du rugby à 7 français. Vainqueur de l'étape à Los Angeles en mars dernier, puis devenu champion du monde à Madrid en mai dernier. Le lieu où notre invité notamment a commencé le rugby tient comme un symbole. Et puis il y a quelques jours, dans un stade de France survolté, vous rameniez à la France la première médaille d'or de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, mais également la première pour le rugby à 7 masculin. Très bon danseur aussi, donc, obligé. Ah. Et oui, et revivez ce moment, c'était sur Sud Radio, on l'a vécu. Il s'est rejoué rapidement par Antoine Dupont qui surprend la défense médienne. L'essai d'Antoine Dupont, 19 à 7 pour l'équipe de France. Les Bleus sont tout proches de l'or, Daniel. Oui, le monumental, Antoine. Franchement, lâchons les superlatifs. Pour Antoine Dupont, les Bleus sont médaillés d'or, c'est sûr, quoi qu'il arrive. La prise de balle dans Ditimo. Ils vont nous faire un molle. On va la jouer. On choisit le molle. Jamais personne au monde n'a fait un molle sur le terrain du rugby. Ils sont en train d'avancer. Ils vont aller laisser Dupont. À quel moment on a vécu sur Sud Radio. Bonsoir Stéphane Parez, félicitations encore. Bonsoir à tous, merci encore. Bonsoir Stéphane. Sur l'extrait, on entend Antoine Dupont, mais en fait Antoine Dupont rentre en cours de jeu et à chaque fois c'est pour remplacer Stéphane Parez qui lui commence. Et oui, le monsieur Stéphane Parez, il est au cœur du dispositif, Antoine. Ouais, exactement, il y a eu ce petit changement, mais c'est vrai que c'est tout un collectif qui a gagné, c'est pas que Antoine Dupont. C'est vrai que c'est ce match-là face aux Fidji, c'était l'apothéose, battre en plus une équipe qui n'avait jamais perdu en deux Olympiades, parce que le rugby à 7 est arrivé en 2016 aux Jeux Olympiques. Ils ont gagné Rio, ils ont gagné Tokyo, ils n'avaient jamais perdu un match, et vous les battez en finale olympique au Stade de France, ça devait être complètement dingue. Ouais, tout à fait, c'était quelque chose vraiment, je ne vais pas dire inespéré, mais voilà, c'est quelque chose auquel on a beaucoup travaillé tout au long de l'année. On est allé bosser chez eux pendant un mois au Fidji, on a vu un peu comment ils s'entraînaient, on s'entraînait face à eux. Enfin, voilà, de finir face à eux, c'est vraiment boucler la boucle et c'est de gagner les Jeux Olympiques de la plus belle des façons. Plus de 9 millions de téléspectateurs vous ont regardé. Beaucoup ont dû découvrir cette discipline qui est quand même très peu connue, on le rappelle, du grand public. Est-ce que vous avez conscience que maintenant ça va exploser en France ? Bah, écoutez, j'espère beaucoup. J'espère que le rugby à 7 va être de plus en plus connu, que ça ne sera pas qu'un sport qu'on regardera tous les 4 ans et que le championnat va être suivi chaque année. Mais bon, je suis quand même très content de l'engouement que ça a pu prendre, du fait qu'énormément de personnes ont pris conscience de ce qu'était le rugby à 7. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer. Et là, on est en train de passer un tournant et il va falloir continuer à être bon là-dessus. Mais Stéphane Parez, évidemment, parce que bon, il est passionné, Antoine Mazer, mais Antoine, le rugby, en fait, c'est dans notre quotidien, très présent, et en plus, Sud Radio, la radio du rugby. Simplement, oui, vous dites à juste titre, Antoine, le 7, mais je vous pose la question, Stéphane Parez, est-ce que un jeune qui se dit, je les ai vus danser, parce que bravo pour la danse, Stéphane, mais je les ai vus danser, mais surtout, je les ai vus jouer, il rentre dans un club de quoi ? Dans un club de rugby au sens large, ou dans un club de rugby à 7 ou 15 ? Ben non, aujourd'hui, il n'existe pas de rugby à 7, de club de rugby à 7. Il n'y a que des clubs de rugby à 15, dans la Fédération Française de Rugby, en tout cas. Donc, on commence tous par le rugby à 15. Et puis, il y a des associations qui font des tournois un peu après la saison. L'été notamment. Mais en fait, il n'y a pas de championnat ou de club de rugby à 7. Donc, on est obligé de passer par le rugby à 15 avant de passer au rugby à 7. Bon, et finalement, c'est heureux parce que le rugby à 15 en tant que tel aux Jeux Olympiques, ça a été en 1924, notamment en France, mais ça serait très difficile. Dans le format, c'est pas compatible. Heureusement qu'il y a le 7. Vous restez avec nous, Stéphane Parez, et vous, bien sûr, Antoine Mazer, qui nous a amené nos champions olympiques. Vraiment, on fait une respiration et puis les vraies voix ont plein de questions pour Stéphane Parez, champion olympique de rugby à 7.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Et c'est le rendez-vous d'Antoine Martin qui nous amène. C'est d'Antoine Martin. Ah oui, 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 bah oui, oui. C'est Antoine Martin que je connais bien d'ailleurs. Je le salue. Parce qu'en fait, on l'a complimenté, Frédéric, pendant l'intermède, là. Et c'est ça l'a un petit peu. Bah, en fait, c'est Pierre-Yves Martin. Bah oui, c'est ça, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons Antoine Mazer. Donc c'est le rendez-vous d'Antoine Mazer. Ça m'apprendra à connaître plein de jeunes journalistes de talent comme ça. Et Antoine Mazer, vous nous rappelez, votre invité, médaillé d'or des Jeux Olympiques. Ouais, c'est une légende du rugby à 7 français depuis 2013. Il constitue cette équipe de France et puis il a remporté il y a quelques jours au Stade de France la médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7 sous près de 80 000 personnes qui étaient réunies. Et donc on est très heureux d'avoir Stéphane Parez avec nous sur ce radio. Stéphane, alors j'aurais pu l'appeler Stéphane Roche parce que moi je viens du cyclisme, vous savez, en 87. Bon, très joli prénom Stéphane. Bon, Stéphane Parez, il y a les vraies voix qui ont des questions. On commence justement par Pierre-Yves Martin. Bonjour Stéphane. Bravo, bravo déjà pour votre exploit. Moi j'ai une question toute simple. Après ces quelques semaines de repos, là, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous savez précisément ce que vous allez engager comme chantier? Est-ce que, notamment, j'ai une question secondaire, est-ce que ça vous tenterait pas d'essayer de faire quelque chose pour faire émerger une organisation au sein de la fédération pour faire vivre ce rugby à 7 qui n'est pas existant en France en 2024? Réponse. Eh bien sûr, nous, c'est vraiment un but et c'est notre combat depuis des années d'essayer de faire connaître le rugby à 7 et de le mettre dans le paysage du sport français. Effectivement, si les opportunités s'ouvrent pour nous, les joueurs et même le staff, on va être les premiers à vouloir faire développer le rugby à 7 et créer peut-être un championnat français comme il est en train de se créer avec l'Inistex au Sevens, qui est hyper intéressant, mais qui est un peu compliqué pour avoir un championnat très compétitif, on va dire. Il faudrait avoir des joueurs qui soient totalement à rugby à 7. Et finalement, avec le calendrier qu'a chaque club, c'est un peu compliqué, et on le comprend, de développer ce tournoi. Vous, du coup, Stéphane, vous ne jouez plus du tout à 15? Non. Non, moi ça fait depuis 2013, comme tu l'as très bien dit, moi ça fait depuis 2013 que je suis à 100% au rugby à 7. Ouais. Alors Catherine Evrard, question. Oui, alors moi je suis pas une... Enfin, ça m'intéresse énormément maintenant que je sais que ça existe. Deux questions. La première, combien d'heures faut-il s'entraîner pour arriver au top comme vous? Par semaine, donc on dira. Oui, par semaine. Ouais. Et deuxième question, est-ce que vous arrivez de boire du champagne? Parce qu'à force de s'entraîner, à force de s'entraîner en permanence, est-ce qu'on a un moment où... Ah bah surtout au rugby, surtout au rugby. Stéphane, bienvenue dans l'univers de Catherine Evrard où on est toujours, toujours bien reçu. La vie n'est que champagne avec Catherine. Allez-y Stéphane. Alors sur l'heure, les heures d'entraînement. Sur les heures d'entraînement, oui, effectivement. Bah après, on est professionnel, donc on s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Donc c'est des entraînements qui durent 1h30, voire 2 heures, en comptant l'échauffement, etc. Et puis après, t'as toute la partie récupération aussi, analyse vidéo. C'est des temps où on n'est pas forcément sur le terrain. Il y a aussi les temps où on est en muscu aussi. Donc voilà, c'est franchement, on est à des entraînements de 1h30, 2 heures par jour pour aller, on va dire, 2 à 3 fois par jour. Ouais, alors justement, Comme une semaine, donc c'est quand même assez long. Les journées sont quand même assez remplies, assez chargées. On a des devoirs aussi. Enfin, les réunions, elles finissent à 19h30. Donc, on a quand même. Il y a une partie mentale qui est très elle n'est pas trop connue, mais on s'entraîne pas que physiquement, mais on entraîne aussi le cerveau et la danse en fait partie aussi. Bon, oui, évidemment, on l'a vu. C'est un vrai exercice. Gros entraînement. Juste parce que Stéphane, vous nous avez rappelé, donc il n'y a pas de championnat, donc vous ne faites pas partie d'un club. Alors ça veut dire que vous entraînez en club ou avec l'équipe de France toute la saison? Alors on est là dans l'équipe qui a été championne olympique. On était la moitié en club et l'autre moitié à 100% avec la fédération. Moi, je fais partie de ceux qui ont un contrat fédéral.
Donc je m'entraîne à 100% avec la fédération. Donc il y a quelques fois où en fait je suis chez moi à la maison et j'ai un programme à suivre et donc c'est des programmes qui sont axés plutôt sur le développement musculaire, donc dans la musculation ou alors dans l'endurance, les vitesses, voilà, technique de course ou même du technique, des coups d'envoi, des passes, des touches, même si c'est c'est pas un coéquipier, ça peut être n'importe qui qu'on trouve dans le stade qui veut bien nous ramasser les ballons. Alors Antoine Mazer va conclure dans un instant, mais juste la question de Mickaël Sadoun. Non, moi déjà, je voulais vous dire bravo, hein, parce que je n'y connais absolument rien, mais vraiment, vous nous avez rendu très fiers, parce que vous êtes les meilleurs, hein, paraît-il. Je voulais vous demander, c'est la question que je posais à la pause à Antoine Mazer, c'est est-ce qu'il y a des pays dans lesquels le rugby à 7 est plus populaire que le rugby à 15? Ou est-ce que la compétition internationale se fait plutôt sur le rugby à 15, ce qui expliquerait que les pouvoirs publics se focalisent plutôt dessus, quoi? Et ça dépend des philosophies, mais c'est vrai qu'il y a le rugby à 7 nécessite moins de joueurs, donc des infrastructures peut-être moindres et du coup un budget moindre aussi. D'accord. Donc c'est là où on voit en fait par exemple des pays comme l'Espagne, mais le rugby à 7 en Espagne est quand même très développé par rapport à son rugby à 15. D'accord. Et pareil les Fidjiens, le rugby à 7, tout le monde connaît le rugby à 7. Et ils connaissent un peu moins le rugby à 15 parce qu'ils ont le plus l'habitude de jouer au rugby à 7 là-bas et là-bas c'est le rugby phare. En Nouvelle-Zélande, le rugby à 7 c'est vraiment un centre de formation un peu pour envoyer avec le 15. Et ce n'est pas anodin pour le développement de la pratique aussi, certains pays africains comme le Kenya, l'Ouganda, etc. Exactement. Parce que bon, il y a l'Afrique du Sud, mais c'est à part. Voilà. Alors le mot de la fin pour Antoine Mazer. Ouais, juste une dernière petite question. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé parce que c'est vrai que ça a été aussi la nouveauté d'intégrer Antoine Dupont dans son équipe, qui est un joueur de rugby à 15. Pour bien nous expliquer, Stephen, c'est vrai que entre le rugby à 7 et le rugby à 15, on est d'accord que c'est quand même deux sports qui sont assez différents et qu'il faut un vrai temps d'adaptation. Et c'est vrai qu'on peut dire que ce qu'a réalisé en moins d'un an, on va dire, Antoine Dupont, est assez exceptionnel d'intégrer, de changer de sport, de passer du rugby à 15 au rugby à 7. Oui, totalement. Franchement, c'était un peu la crainte qu'on avait à l'annonce d'Antoine Dupont dans l'équipe de France de rugby à 7. On s'était dit, bon, voilà, s'il vient juste pour les Jeux Olympiques, ça allait être très compliqué. On l'a vu débarquer justement sur quelques stages avant le Los Angeles Vancouver. Là, on est en février et mars. C'est quand même, il y a eu un travail en amont. Il est arrivé avec des bases, en connaissant aussi un peu plus le plan de jeu. Déjà, il connaissait la moitié des prénoms, voire tous les prénoms de chaque joueur. Donc, ça montrait à quel point il était investi aussi dans cette équipe de France de rugby à 7. C'est un joueur qui est vraiment extraordinaire parce que, comme tu dis, il faut un temps d'adaptation pour le rugby à 7. Et je pense que c'est l'un des joueurs qui a réussi à s'intégrer le plus rapidement possible. Ouais, c'était beau. C'était vraiment impressionnant. Merci Stéphane Parez, merci Antoine aussi, Antoine Mazer, qui nous amène chaque jour des médailles olympiques. Là, c'était un médaillé d'or. Bon, magnifique. Dans un instant, les vraies voix reviennent avec leur tour de table. Restez bien avec nous. Excellente soirée. C'est Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ils sont avec nous et vous l'avez vu, particulièrement motivés, même quand ce n'est pas leur domaine de compétence. Hein. Mickaël Sadoun l'a dit, je ne suis pas rugbyman. Sur le rugby si à j'osais, 7. je dirais ça se voit. C'est sympa. Mais vous êtes très dur parce que je vais à la salle très souvent et je vous assure que je pousse grave. Mais c'est parce que Frédéric est jaloux de ton summer body, non, hein, Mickaël. Mais ça, c'est une évidence. Mais bon. Voilà. Donc, en plus de Mickaël Sadoun, nous avons Pierre-Yves Martin et nous avons
avons bien sûr Catherine Œuvrard. Je dis bien sûr parce que vous l'avez entendu beaucoup dans cette émission, mais là, elle a laissé les deux coques s'entretuer là, sur l'aspect fitness. Ça, oui, c'est terrible. Oui, je suis pas concerné. Voilà. Et le tour de table. La table avec nous. Ça, c'est pas vrai, con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est intéressante cette table à des coups. Pardon ? Ah non, non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Eh bien, nous commençons par Mickaël Sadoun. Justement, Mickaël, vous posez une question. Pourquoi notre époque ne fabrique-t-elle plus de géants ? Oui, de géants. C'est le mot qu'on entend beaucoup depuis la mort d'Alain Delon, et on l'entendait aussi beaucoup au moment de la mort de Jean-Paul Belmondo. Et à chaque fois qu'une grande icône du cinéma ou de la musique meurt, on dit... C'est la formule consacrée, le dernier des géants. Ça, c'est horrible. Disparu. Sauf le respect que je vous dois, mais c'est horrible de dire c'est le dernier, c'est jamais le dernier. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de vrai, non pas que ce soit le dernier pour toujours, attention, mais je pense que notre époque a quand même plus de mal à fabriquer des géants, et je me demandais pourquoi. Je pense qu'il y a trois critères essentiels, en fait, pour fabriquer un géant, et qui manquent aujourd'hui à notre époque. La première chose, c'est la longévité. Notre époque étant au zapping, c'est beaucoup plus difficile de construire une carrière dans la durée quand on est un acteur ou un chanteur, parce que les modes s'enchaînant beaucoup plus vite, je pense que c'est plus difficile de perdurer dans le temps. Ça donne encore plus de mérite, je dirais, à ceux qui arrivent à le faire aujourd'hui. La deuxième chose, je dirais, c'est la rareté. À l'époque où il y a trois grandes chaînes de télévision et un film qui sort par semaine, celui qui apparaît à l'écran est perçu comme un être beaucoup plus exceptionnel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun peut avoir sa micro-célébrité sur les réseaux sociaux, sur évidemment des médias qui se sont multipliés, et l'époque d'antan fabriquait des stars, la nôtre fabrique des vedettes. C'est comme ça. Ou des influenceurs qui règnent sur une petite communauté particulière. La troisième chose, je dirais, qui manque à notre époque et qui est essentielle pour fabriquer un géant, c'est le secret. Je pense qu'on ne peut pas admirer de la même manière quelqu'un dont on connaît la couleur du slip. Désolé de le dire comme ça, mais le général de Gaulle le disait avec des termes beaucoup plus élégants. Il disait « La grandeur ne se fait pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement ». Donc dans cette époque d'ultra-transparence, on veut tout connaître sur les stars, leurs travers, leurs intimités, leurs défauts, eh ben on est plus prompt à détruire leur statut, et je pense que c'est pas toujours pour le meilleur. Bon, voilà. Démonstration très convaincante, très intéressante, même si on vient de parler des jeux, mais il y a des géants qui sont sortis des jeux. Alors, une réaction sûr, rapide au propos de Mickaël Sadoun, Catherine Œuvrard. Oh ben moi je suis tellement d'accord que j'ai eu la chance de le rencontrer dans une soirée caritative à plusieurs reprises. Ouais. Oui. Ah, je pensais que c'était Mickaël. Mickaël n'est pas dans le genre, ça ne vous aura pas. Il n'en a jamais raté une. Il était d'une gentillesse extraordinaire. Il venait d'abord avec Mireille Darc, et pour cause, vous savez qu'elle était cardiaque. Donc il était particulièrement intéressé. Et ce garçon dont on a dit Pic-Pande était d'une amabilité, d'une gentillesse hallucinante. Alors, si j'avais été une bombe, je vous dirais c'est normal. Mais franchement, toujours très sympa. Oh, c'est tout ce que j'ai dit. Vous avez vu c'est qu'on a dit. Vous savez pas modeste. Une réaction à la belle démonstration de Mickaël Sadoun, Pierre-Yves Martin. C'est une belle démonstration que Mickaël nous a faite. Mais je ne suis pas surpris par ses talents oratoires et de structuration mentale. Néanmoins... Ah. Je suis pas complètement convaincu. Ok, parce allons-y. Que je pense que c'est trop dangereux de dire que il y aura plus de géants, que c'est pas pareil avant que maintenant et que demain, etc. On verra dans 10 ans comment ça se passera. Ça c'est me donne l'idée d'une chanson. C'est peut-être une période. C'est peut-être une période de transition. On est peut-être dans quelque chose de transition peut-être. Qui ne permet pas de d'avoir des repères aussi lisibles que ce qu'il y avait il y a 20 ans. Mais par exemple, ces chanteurs avec la couleur du slip. Moi, je pensais à Mylène Farmer qui réussit quand même bien. Oui. À gérer cette distance. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas 50 000. Je pensais aussi à Jean-Jacques Goldman, alors qui est peut-être sur la fin de son parcours, mais qui gère aussi cette distance. On peut aussi penser à style totalement différent, mais Daft Punk, qui a réussi à faire ça par l'anonymat du masque de robot, etc. Par exemple, c'est quand même dur. Les vraies voix, parce que vous avez chacun votre tour de table, il faut maintenant que nous passions au deuxième tour de table. Et c'est vous, Catherine Œuvrard, avec une question qui fait référence à votre activité. Je le rappelle, vous êtes chasseuse de tête de grands dirigeants. Et vous, vous posez la question, qui recrutez comme Premier ministre ? Ben oui, qui iriez-vous chasser ? Non, mais d'abord, point de base, je suis étonné, c'est mon rêve d'avoir cette mission, parce que je suis quand même étonné qu'ils ne soient pas un peu modernes, nos gouvernants, et qu'ils ne passent pas par des chasseurs de tête. Pourquoi ?
D'abord, on appelle minimum 50 personnes, après avoir défini un profil de poste extrêmement précis, âge, diplôme, combien d'années à quel endroit, quels sont ces deux axes intéressants au niveau de son charisme, par exemple, est-ce qu'il doit parler l'anglais ou pas, etc. Bon, ça commence. Donc déjà, on cible des gens qui, peu ou prou, sont dans le profil. Ensuite, je vous rappelle que quand c'est vous-même qui chassez ou qui cherchez pour vous, vous n'avez pas forcément cette dimension de recul. Et très souvent, j'ai vu des grands patrons recruter tout seuls et avouer qu'ils s'étaient complètement plantés. Oui. Parce que quand on a quelqu'un comme ami, par exemple, et puis que tout d'un coup, on devient son patron, je vous garantis que c'est pas pareil. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième, dans ce marécage presque nauséabond, ça va être ultra compliqué. Il faut absolument des outsiders. Il faut sortir des sentiers battus. Parce que moi, je continue à penser, par exemple, c'est pas un outsider, hein, mais un maire qui a été maire dans plusieurs communes de France, à mon avis, il vient du terrain, il sera aussi bon qu'un énarque qui prétend qu'il est grand patron parce qu'il a 20 000 personnes sous ses ordres et qui n'a jamais été patron de rien du tout. Oui. Parce que vous savez comme moi qu'ils sont pas virés, ils passent dans le service d'à côté. Bon, enfin bref. Magnifique. Voilà le point de vue d'une chasseuse de tête. C'est vrai que ça donne envie. Tiens, il y a un appel. Zach, qui est au standard, me dit qu'un certain Emmanuel Macron vous appelle. Je prends la mission immédiatement. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que chaque fois que je vois Brigitte Macron, j'ai dit, alors, quand est-ce que votre mari me donne une mission? Je vous promets que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle répond? On doit avancer. Sinon, ça va flouer notre Pierre-Yves Martin qui nous attend. Vous posez aussi une autre question. Faut-il tourner la page de la radicalité de Mélenchon? Tiens, ça a été dit aujourd'hui, ça. Ouais, dans Le Point, et c'est Raphaël Glucksmann qui rapporte ce sujet-là. Ça me semblait être intéressant parce que dans ce principe de radicalité que porte M. Mélenchon et qu'anime M. Mélenchon, avec un certain talent d'ailleurs, il y a ce sujet de sectarisme. Et qui dit sectarisme dit refus de la discussion. Or, on est dans une époque, dans une période où la société française a besoin de porter et de voir traiter efficacement des sujets, notamment sociétaux, économiques, environnementaux, qui sont complexes, donc qui nécessitent l'implication de toutes les parties prenantes. Et justement, ce principe de sectarisme, où on refuse la discussion avec les autres, ne va pas dans le bon sens. Donc j'exprime une forte inquiétude. Et puis, il y a un deuxième élément qui m'a quelque peu titillé. C'était dimanche, j'ai ouvert mon journal, et puis je vois ce sujet de tribune, de destitution que messieurs Mélenchon et ses deux acolytes ont signé. Et là encore, ce sujet de destitution est un appel à la radicalité. Le pays n'en a pas besoin, personne n'en a besoin, je ne comprends pas, et je ne comprends pas d'autant plus que cette démarche de destitution, cette procédure de destitution n'est absolument pas réaliste, puisqu'elle ne pourrait pas obtenir, la majorité qui est requise. Voilà. Et donc, du coup, j'aimerais bien effectivement que maintenant, on arrête de procéder, de faire appel, de travailler autour de ces leviers de radicalité, parce que c'est dangereux pour tout le monde, et que ça met une musique qui devient de plus en plus dangereuse pour nos équilibres personnels et collectifs. Alors, même chose, il y a un appel d'un certain Jean-Luc Mélenchon au standard. Je l'attends. Merci les vraies voix, c'était passionnant vos trois tours de table. Dans un instant, bien, ce sera le coup de projecteur. La rentrée scolaire se rapproche à grands pas et ce 20 août nous le rappelle puisque c'est jour de versement de l'allocation de rentrée scolaire. Insuffisante pour certains qui évoquent l'inflation, coûteuse pour ceux qui évoquent les déficits de l'État, inégale pour ceux qui déplorent ces conditions d'octroi. Bref, dans un instant, nous vous posons la question. Cette allocation de rentrée scolaire doit-elle être 1. Généralisée, 2. Augmentée, 3. Minimisée ou 4. Supprimée? Vous répondez sur le compte X de Sud Radio. Vous nous rappelez bien sûr au 0826 300 300 pour nous dire votre point de vue. Laurent Zamekowski, qui est porte-parole de la PEP, sera notre invité pour nous éclairer. La PEP, la fédération bien sûr des parents d'élèves. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel.
Les vraies voix ce soir, Catherine Evrard, présidente fondatrice de CE Consultants, c'est un cabinet de chasseurs de têtes de dirigeants, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant en stratégie, et puis Pierre-Yves Martin. Merci d'avoir mentionné. Tout le monde rigole puisque tout à l'heure on ne l'avait évidemment pas cité, après cette distinction, et futur prix Nobel bien sûr. Oui, mais ça c'est une autre affaire. Voilà, et puis Pierre-Yves Martin, consultant notamment dans le monde de l'entreprise. Vous êtes avec nous, vous êtes prêts pour le coup de projecteur? Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Presque 3 millions de familles bénéficient depuis aujourd'hui de l'allocation de rentrée scolaire versée par les caisses d'allocation familiale ou la mutualité sociale agricole. Vous avez des enfants de 6 à 18 ans, vous êtes peut-être concernés à condition de respecter les plafonds fixés. Les montants s'échelonneront autour de 400 euros. Pour beaucoup, c'est trop peu. Pour certains, ça ne concerne que peu de gens. Et puis, il y a les autres pour qui ça fait beaucoup, pour les caisses de l'État ou pour quelques profiteurs. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. L'allocation de rentrée scolaire doit-elle être alors 1. Généralisée, 2. Augmentée, 3. Minimisée, 4. Supprimée. À cette question, vous répondez et bien sûr, je vous donne la tendance dans un instant. Allez, je vous la donne tout de suite. Alors pour l'instant, vous dites à 60%, alors ça c'est impressionnant, l'allocation de rentrée scolaire doit être supprimée à 60%. À 18%, vous dites minimisée. À 13%, vous dites généralisée. Et à 9%, augmentée. Voilà qui est très, très, très intéressant. Vous nous appelez au 0826 300 300, justement, pour nous donner votre point de vue. C'est Laurent Zamekowski, qui est porte-parole de la Fédération de la PEP, hein, la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public, qui est avec nous. Bonsoir, Laurent Zamekowski. Bonsoir. Bon, évidemment, on a fait cette petite question un peu provoque, hein, bien sûr. Bon, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ces aides. On va revenir vous voir dans un instant, Laurent Zamekowski, mais j'ai Cindy au 0826 300 300 qui est avec nous. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Alors, faites-nous part de votre expérience. Vous y êtes déjà sur l'achat des fournitures scolaires et... Point de vue, est-ce que cette aide va vraiment vous soutenir comme vous aimeriez ? Eh bien moi, j'en suis déjà pour 700 euros et encore j'ai acheté des vêtements en solde ou en seconde main. Sans compter les fournitures scolaires où il me manque encore le dictionnaire d'espagnol, des bottes, des chaussures de randonnée, la calculatrice et beaucoup d'autres choses, encore les assurances. Sans compter que rien que l'école me facture les photocopies et les communications avec l'inscription à 590 euros. Et ça, c'est que pour un enfant. Ah oui, d'accord. Vous avez combien d'enfants ? Deux. Donc l'autre, je l'ai au collège. Ouais, ouais, ça, donc... c'est celui qui rentre au lycée. Ah oui, donc le lycée, effectivement, ça coûte tout de suite plus cher, oui. On le voit bien, le collège. Et donc, forcément, vous dites quoi ? Vous dites que cette année, c'est encore plus cher que les années précédentes ou ça fait des années que c'est le même principe ? Oh, c'est toujours cher, ça c'est sûr, mais je crois que surtout en maternelle, on n'a pas besoin autant de choses qu'en lycée. Oui. Ça devrait être du cas par cas. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Merci beaucoup Cindy de nous avoir éclairé. Vous nous appelez, hein, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, parce que on sent bien que les cas finalement sont très différents. Laurent Zamekowski, je viens vous voir, mais il y a une réaction tout de suite de Catherine Evrard. Oui, il y a une réaction parce qu'on parle pas des plafonds. On dit deux enfants, trois enfants, quatre enfants, mais moi j'ai regardé. À 4 enfants, il faut avoir maximum à 2, 46 KE par an. Ouais. Donc déjà, ça ne touche absolument pas même les classes moyennes, réalité. Ouais. À une période où on dit « faites des enfants, c'est très grave ce qui se passe, la démographie est négative, etc. », moi je trouve ça un peu injuste, quelque part. Ouais. Et pas peut-être un peu moins, mais pour presque tout le monde. Oui, là aussi c'est important tout cela. Laurent Zamekowski, vous venez d'entendre le témoignage de notre chef d'entreprise, vraie voix, et puis de notre auditrice, maman, c'est quoi la tendance pour cette rentrée, Laurent Zamekowski ? Tout explose, il faut augmenter encore cette allocation ? Alors, a priori, les prix sont à peu près équivalents à ceux qu'on a connus l'an dernier. Donc, contrairement à ce qu'on dit, nous, on n'a pas d'essai de baisse.
une augmentation spectaculaire non plus, donc mais ça fait quand même suite à de nombreuses années d'augmentation des prix, donc on arrive quand même à des prix qui sont quand même assez hauts aujourd'hui, et donc c'est quand même assez lourd à porter pour les familles les plus modestes. Ça veut dire que donc on l'a dit, hein, ça tourne autour de 400 €. C'est 400 € pour un enfant ou plusieurs enfants? Comment ça se décompose? Alors c'est par enfant, et après les paliers sont effectivement en fonction du nombre d'enfants, il y a le revenu augmente bien évidemment, voilà, et ça varie effectivement si vous avez un enfant en élémentaire, au collège ou au lycée. Oui, donc c'est à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans, hein, ça ne concerne pas les élèves de maternelle. Oui, ça on l'a bien dit effectivement, et notre auditrice Cindy nous disait que pour son enfant qui était au lycée, là ça coûte tout de suite plus cher. Peut-être une réaction Mickaël Sadoun. Bon, nos auditeurs disent il faudrait la supprimer. Comment on perçoit ça? Comment vous pouvez expliquer que certaines personnes aient cette réflexion? Parce que il y a l'impression que certains abus sont faits avec cette allocation de rentrée scolaire. Et j'en viens justement à mon propos. Moi, je pense que c'est pas une question d'augmenter ou de diminuer. Pourquoi pas l'augmenter quand c'est nécessaire? Moi, je pense d'abord qu'il faut mieux rééchelonner. Parce que entre 6 et 18 ans, les dépenses varient énormément. Or, l'allocation, elle va de 410, je crois, à 450 pour les enfants qui vont de 16 ans à 18 ans. Donc moi, je trouve que l'écart est pas assez important, les deux. Peut-être donner un peu moins aux enfants qui sont plus petits et un peu plus aux enfants qui ont besoin d'acheter un petit peu plus de fournitures au lycée, etc. Donc peut-être des dépenses mieux rééchelonnées, mais aussi mieux encadrées, parce que actuellement il n'y a pas de dispositif de contrôle pour savoir comment est dépensée cette allocation de rentrée scolaire, ce qui nourrit un certain nombre de fantasmes, et je n'ai pas envie de tomber dans la polémique, parce que je n'aime pas tomber dans la polémique quand on parle de la misère de certaines personnes. Oui, et donc, c'est bien pour ça, Mickaël, que j'ai pris soin de m'appuyer sur cette partie de nos auditeurs qui se sont prononcés sur le compte X de Sud Radio. Exactement. Mais il faut voir ce qu'ils disent aussi, voilà, c'est qu'il y a une réalité, voilà, c'est que cet argent, n'est pas contrôlé, et qu'en plus, entre 16 et 18 ans, par exemple, pour toucher cette allocation, vous avez simplement besoin d'une attestation sur l'honneur que votre enfant est encore scolarisé. C'est trop peu. Il devrait y avoir un justificatif scolaire beaucoup mieux encadré. Ça a fait l'objet justement d'une proposition de loi de certains députés LR en 2022 qui n'a pas été adoptée. Je le regrette, parce que finalement on finit par nourrir des fantasmes qui sont pas bons. Et puis avec tout un tas de paramètres, un peu parce qu'il y a l'absentéisme de certains, enfin bon, et puis on rentre sur ces problèmes. Qu'en pensez-vous, Laurent Zamekowski, hein, je le rappelle, vous êtes porte-parole de la Fédération de la PEP. Est-ce que les parents d'élèves que vous représentez, évidemment que vous côtoyez au quotidien, ont conscience que finalement, c'est pas toujours réparti au plus juste de ce que ça pourrait être fait? Alors, il y a une première chose, en primaire, enfin élémentaire ou même au collège, n'oubliez pas que les enfants grandissent vite et que donc on doit renouveler beaucoup plus souvent que pour des lycéens, en ce qui concerne les habillements, les tenues sportives, etc. C'est vrai. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, certes, les fournitures en tant que telles ont l'air d'être moins coûteuses, mais le reste est beaucoup plus coûteux. Donc, forcément, il y a certaines différences. Après, il y a une deuxième chose à savoir. Cette aide arrive un peu tardive, hein, puisque nous on s'est organisé très en amont. Donc des parents ont tout simplement fait des allocations. Vous vous doutez bien qu'ils ont gelé des dépenses et peut-être qu'ils récupèrent avec cette allocation à ce moment-là pour faire les dépenses qu'ils ont dû faire en amont avec les fournitures scolaires. Et c'est pas forcément évident pour les familles les moins aisés. Oui, c'est-à-dire que vous dites, voilà, ils sont obligés de faire des arbitrages assez forts. Vous dites ça arrive tard, et l'idéal, parce que bon, vous savez tout ça, Laurent Zamekowski, est-ce que plus on avance vers la rentrée et plus les supermarchés par exemple augmentent les prix de ses fournitures, et que celui qui veut être prévoyant et bien sentir le coup, il va plutôt acheter en juillet qu'en août, c'est ça l'idée? Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que à la fin de l'année scolaire, les listes de la rentrée sont publiées. Et à partir de là, il y a une mutualisation au sein d'établissements où on passe par des sociétés qui, en mutualisant, font baisser les prix. Et en plus, souvent, les reçoit directement à la maison. Donc, il y a cette première chose. N'oubliez pas aussi qu'il y a la session des soldes. Et notamment quand vous devez acheter un sport et des choses comme ça. Bah, sauf que le 20 août, les soldes, elles sont terminées. Voilà. Donc, les parents essayent de s'organiser pour que ça coûte le moins cher possible. Donc, plus l'argent arrive tôt,
moins on est obligé de faire d'allocation et mieux on peut s'organiser pour justement avoir une meilleure exploitation de cette somme. Mmh. Bon, alors tout ça est très intéressant parce qu'on voit qu'on a un outil qui, pour tout le monde, qui sert et qui a le mérite d'exister. En revanche, pour beaucoup, qui n'est pas forcément bien géré. Pierre-Yves Martin, vous n'avez pas encore donné votre avis là-dessus. Alors, c'est une question un peu, pardonnez-moi, mais putassière hein, que j'ai souhaité vous poser parce que c'est vrai, quand je dis ça doit être généralisé, ça doit être supprimé, etc., etc. Je suis un peu dans la provocation. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais vous, vous auriez dit quoi à ma question putassière, cher Pierre-Yves Martin ? Je n'ai aucun avis sur ce sujet-là. Ah, merci, au revoir et à bientôt. Au revoir. J'ai un enfant. Non, j'ai pas d'avis parce que, comme le disait Michael, il y a un sujet autour des fantasmes, de comment c'est utilisé réellement, etc., etc. Et du coup, je trouve ça très, très compliqué. Juste pour rebondir sur le propos du président de la PEP, J'ai quand même l'impression j'ai quand même l'impression que d'anticiper, j'entends hein, le raisonnement d'anticiper les règlements, le versement en juillet par exemple pour faire coïncider avec la période des soldes. L'anticiper, c'est aussi faire confiance en la capacité des foyers à gérer correctement leur budget. Et je suis pas et comme pour les foyers qui sont en difficulté sociale ou financière, je ne sais pas si verser 2 mois avant, c'est le meilleur signal pour s'assurer que ça sera affecté correctement. Mmh. Mais j'en sais rien. Et après, sur le sujet du contrôle, c'est plus moi sur la modalité de paiement. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on laisse acheter des vêtements dans des magasins de sport, etc. Très bien. Sur les fournitures scolaires, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une espèce de centrale d'achat publique et à qui on va affecter et qui va distribuer. Avant, voilà. Je ne comprends pas ça. Ouais, Catherine Vara, partage d'expérience peu ancienne. Alors on va dire. Je vous prends. Une insolence. C'est inacceptable. Ne me faites pas dire. S'il y en a un ici qui aime Catherine Vara, c'est bien moi. Mais on l'a bien, c'est moi. C'est vrai que je suis un peu. Bon, bref. Non, mais d'abord, je vais vous dire, le fait que tout le monde veuille avoir les meilleurs vêtements, les trucs les plus chers, etc. Depuis le temps qu'on parle de tabliers, de trucs, je vais vous choquer, c'est l'éternel débat. Mais ça, c'est le premier sujet. D'un autre côté, on veut scolariser le plus d'enfants possible. Et ce que je trouve formidable, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a quelques lacunes dans ce domaine. Ben, si on veut les scolariser, il faut y mettre les moyens. Et enfin, je ne suis pas certaine que le coût de ces fameuses allocations scolaires, on en parle des heures, parce que c'est quand même un coup d'épée dans l'eau par rapport au coût que représente la rentrée scolaire, par exemple. Mmh. Ouais, à l'échelle globale, parce que ça représente quand même 2 milliards de dépenses pour l'État. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, il est question, évidemment. Mais il faudrait avoir un regard, justement, dessus. Il faudrait vraiment, une fois de plus, il y a la gabegie. Mais moi, c'est pas la dépense qui me dérange. C'est le gâchis, peut-être. C'est le gâchis. Voilà. Mais moi, j'aimerais donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais en contrôlant que c'est bien utilisé. Point barre. Laurent Zamekowski, est-ce qu'il y a des systèmes, on va dire, de vérification non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a cette somme et si la personne décide de servir de cette somme pour l'abonnement à la Ligue 1 de football, par exemple, personne ne peut le savoir. Évidemment, mais après, il ne faut pas non plus avoir une vision aussi, pessimiste des choses. Après, nous, on a une vision aussi qui consiste à dire aussi que peut-être on pourrait faire que l'école soit réellement gratuite. L'école est obligatoire et gratuite en France, mais elle n'est pas réellement gratuite puisque justement on doit payer ses fournitures à la rentrée. Si les fournitures étaient directement fournies par les collectivités ou par l'État, ça résoudrait déjà pas mal de problèmes. Il y aurait quand même nécessité d'aider les familles en plus grande difficulté pour notamment des tenues, des choses comme ça, des choses spécifiques. Mais si au moins on pouvait avoir les fournitures et éviter qu'à la rentrée, après qu'on ait une liste, on se retrouve avec des demandes complémentaires parce qu'il faut le cahier de telle couleur, avec des carreaux de telle taille, avec un certain nombre de pages, pas plus, pas moins, etc. Tout ça prend aussi beaucoup de temps aux parents. Et puis vous imaginez bien que il y a 3 millions de foyers qui vont toucher cette aide, mais les autres foyers ne la touchent pas. Vous imaginez bien qu'il y a des foyers qui touchent à peine plus que le plafond,
qui eux n'auront rien. Oui, là, donc, là c'est terrible. Hein, alors pour ça, j'ai vu que pour ça, il y avait des ARS différentielles. Non, ils pouvaient faire des demandes un petit peu d'ARS un peu moins élevées. Quand vous dites ARS, c'est donc allocation d'entrée scolaire. voilà, ouais. Très bien. Allez-y, Laurent Zamekowski. Et de toute façon, il y a effectivement pour les familles qui sont les plus en difficulté, il y a le fonds d'aide sociale des établissements, notamment je parle du collège et du lycée, qui peuvent venir en complémentarité, puisque on parle là aujourd'hui des fournitures scolaires, on parle de l'habillement, mais il y a aussi les questions bien sûr liées aux activités sportives, à la cantine, tout simplement. Ça représente un budget, même si c'est déjà aidé avec les coefficients. Il y a beaucoup de zéro euros, de repas zéro euro, ça existe aussi. Dans certains cas, assez rares, oui. Mais bon, Laurent Zamekowski, ce que vous venez de dire, finalement, ça corrobore un peu la proposition de Pierre-Yves Martin, qui semble quand même assez séduisante. C'est-à-dire, pourquoi faire payer des 1000 et des 100 pour des gens, alors que de toute façon, on va dépenser cet argent, et que finalement, au bout du compte, si cet argent elle est donné aux établissements qui vont fournir à certains dans le besoin ce dont on a besoin, là, les parents, ils seraient pour, vous qui êtes leur interlocuteurs, ils sont pour ou pas ça ? Je pense que tout simplement, ce qu'il faudrait, c'est que les fournitures soient fournies pour l'ensemble de tous les élèves. L'école étant gratuite et obligatoire en France, on résoudrait déjà une grosse partie du problème en faisant en sorte de prendre ces choses en charge. Hein. Je veux dire, on est en train de parler de dépenser 2,5 milliards pour des uniformes. Peut-être qu'on peut se poser la question des cahiers et des stylos. D'accord avec cette idée, Catherine Evrard ? Oui et non. Moi, je vois une chose, c'est que le cinquième enfant, toujours avec des plafonds de salaire. Il a 6000 euros par enfant en plus. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc d'un côté, on pousse à mort des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir plein d'enfants. Excusez-moi, mais ça coûte très cher, tout le monde le dit. Bien sûr. On les pousse à mort à en faire de plus en plus. Et de l'autre côté, il y a quand même la middle class, j'insiste, qui elle souffre horriblement parce que elle n'est pas dans le circuit, et donc c'est pour ça qu'ils font plus d'enfants d'ailleurs. D'accord, Pierre-Yves Martin. Non, pas complètement. Enfin, j'entends la proposition du porte-parole. Je pense que pour les foyers qui ont les moyens financiers, les ressources financières pour ça, je pense qu'il faudrait faire un petit peu comme dans les écoles libres, pardonnez-moi. Moi, je suis un pur produit de l'école libre, catho, bref, sous contrat d'association. Je me souviens, il y avait des options pour les frais de paiement de l'école et les parents qui avaient des revenus supérieurs à tant, ils étaient encouragés à verser un petit peu plus. C'est vrai. Je trouve que dans l'idée, c'était plutôt bien. Voilà. C'était complètement passionnant. On doit rendre l'antenne. Allez, je suis revoir, désolé. Merci beaucoup, Laurent Zamekowski. Bonne rentrée à vous, à toutes vos équipes. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de la Fédération de la PEP, les parents d'élèves de l'enseignement public. Merci les trois vraies voix. Franchement, je vous ai fait suffisamment de compliments, mais j'en refais un. C'était un plaisir. Catherine Evrard, Pierre-Yves Martin et Mickaël Sadoul. C'était un immense plaisir. Merci Frédéric. Merci. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.